Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer une banque de commentaires. Donc, première des choses, tu dois accéder à ton cours et dans tes travaux, accéder à tes travaux remis. Donc, on voit présentement que je suis dans la production d'un élève et ici, je voudrais peut-être lui laisser des commentaires. Donc, ma banque de commentaires apparaît ici. Donc, je peux cliquer pour la voir. Donc, on voit les commentaires qui sont déjà là. Si je désire en ajouter, je peux passer par ici. C'est une première option. Donc, je peux taper mon commentaire. Donc, une fois que mon commentaire est terminé, je clique sur Ajouter. Et on va le voir apparaître ici. Si je désire utiliser ce commentaire, je vais sélectionner un mot ou une phrase ou un paragraphe. Je peux cliquer ici sur Ajouter un commentaire et je peux commencer à attraper un mot qui fait partie du commentaire et il va tout de suite s'afficher ici. Donc, on voit ici mon commentaire, je le sélectionne et je fais commenter. Une autre possibilité pour ajouter un commentaire dans la banque, c'est tout simplement ici de sélectionner, de créer notre commentaire. Donc, une fois le commentaire est fait, je vais sur les trois petits points ici et je vais choisir l'option Ajouter à la banque de commentaires. Donc, je peux le recorriger si je le désire avant de cliquer sur Ajouter. Il va apparaître maintenant dans l'archive des commentaires. Si vous désirez supprimer un commentaire, allez sur les trois petits points, cliquez sur Supprimer. Voilà, donc le commentaire est supprimé de la banque. Il est possible de rechercher ici des commentaires parmi la banque. Voilà, c'était comment utiliser et gérer sa banque de commentaires.